D'accord? Et alors là, on se dit, mais pourquoi avoir procédé comme ça? Parce qu'on obtient la même chose que ce qu'on obtenait quand on a colorisé le vêtement, les grenades, etc. Mais en fait, voilà, l'intérêt ici, c'est que je vais pouvoir modifier le contraste sur cette partie-là. Vous avez le calque du visage qui est activé. Vous allez demander de mettre un nouveau calque de réglage de type courbe. Nouveau calque de réglage de type courbe. OK. Un calque de réglage de type courbe arrive entre la couleur et le visage. Il est écrêté, c'est-à-dire qu'il ne va agir que sur le visage. Dans ce calque, je mets un point, deux points, et je bouge et j'arrive à modifier l'intensité lumineuse, le contraste du visage. Et ça va vraiment vous permettre d'avoir quelque chose de réaliste. Vous allez vraiment pouvoir contrôler les parties les plus importantes de la photo, particulièrement tout ce qui est peau et visage a besoin quand même d'être contrôlé de manière à augmenter le réalisme en fait. Voilà. C'est un calque de réglage, on peut le modifier autant de fois qu'on veut. Ça marchera toujours. Je peux réactiver le calque du dessus et encore aller modifier la couleur, bien entendu. Tout est possible, voire même dessiner au pinceau sur le calque du dessus avec différentes nuances. Allez corriger les couleurs par teint de saturation. Voilà. Bon là, ça, on va très loin dans la retouche, hein. Et donc, même chose pour les mains. Même chose pour les mains. Je vais recommencer tout le processus pour les mains, comme ça ceux qui ont loupé vont pouvoir regarder. Alors, si ça peut aider, vous pouvez coloriser les calques dans la palette des calques. Clic, majuscule, clic sur ceux qui concernent le visage. Je fais un clic droit et je vais coloriser les vignettes. Comme ça, je sais que ces trois-là, ça concerne une chose. Ça concerne le visage.